Yahoo Yubancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va donc tester 8 produits, donc on a du salé et du sucré, on va tester 8 produits où il y a une licence de manga de présente sur le packaging. Donc là par exemple on a du Demon Slayer, ici on a du Jujutsu Kaisen. J'ai décidé donc de tester que des trucs avec un imprimé avec des personnages d'animé pour voir si ça vaut le coup ou si c'est juste des trucs pas bons et qui sont faits pour vendre aux, on va dire aux pigeons parce que tout simplement il y a des personnages dessus. À savoir que sur les 8 produits, 3 m'ont été offerts par Humbol. Je replace au cas où. C'est un restaurant japonais qu'il y a et sur Bordeaux et sur Bayonne et sur Pau. Personnellement, bon, celui de Bordeaux, forcément tu te doutes que je l'ai saigné comme jamais. Je suis déjà allée à celui de Pau du coup, que je trouve super sympa et très joli. D'ailleurs, j'ai vraiment aimé aussi la façon dont c'était agencé, etc. Pour l'instant, je n'ai jamais été à Bayonne depuis que du coup il a été ouvert, etc. Donc je ne peux pas juger la boutique. Mais sinon, de toute façon, je sais que le personnel, ce sont des amours, etc. Donc voilà, c'est vraiment juste ça. À savoir, pour ceux qui sont sur Bordeaux, le reste a été acheté soit à Geek in Japan, soit à Japan Market. Je vous mets de façon les adresses des trois de Bordeaux dans la barre d'infos et je vous mets aussi les adresses de Pau et de Bayonne pour Humbol si jamais. Et voilà, donc juste je voulais remercier Humbol Bordeaux de m'en avoir offert 3 pour que je puisse faire une vidéo et ça m'a extrêmement touchée. J'aurais pu aussi vous présenter juste le café latte, je crois, café latte de Tokyo Revengers, si je dis pas de bêtises au niveau de la licence, mais il faut savoir que je ne bois aucune de ce genre de boisson là, donc j'en ai pas pris. Et j'ai testé le Ice Tea Naruto, mais le Ice Tea c'est pas vraiment une boisson que je connais, que je maîtrise, donc elle était plutôt sympa. Mais voilà, bref, toujours est-il, on va commencer par le salé et on terminera par le sucré. Donc en salé, ce qui est très drôle, c'est que j'ai pris deux trucs, voilà, celui-ci m'a été offert donc par Humbol et celui-ci je l'ai acheté à Japan Market. À savoir juste que tout ce genre de produits tu peux les retrouver donc soit sur Bordeaux dans les 3 boutiques que je t'ai citées, soit tu peux les retrouver aussi par exemple sur le site de Figure House que je connais très bien vu que je fais des collabs avec eux au niveau des figurines et ils vendent aussi de la nourriture, donc je tenais aussi à le placer. Est-ce qu'il se peut qu'un jour je fasse une vidéo dégustation avec que des trucs de Figure House? Bref, toujours est-il, ce qui est très très drôle, c'est que les deux trucs salés, il y a du Demon Slayer dessus. Et c'est pas les mêmes personnages, donc j'ai trouvé ça cool. Parce que là, j'ai trouvé ça cool qu'on ait des personnages un peu moins importants. Alors, peut-être importants dans la saison 2, je n'ai pas encore vu la saison 2. Je sais qu'ils sont présents dans la saison 2, mais je n'ai pas encore vu leur importance par chacun par rapport à la série. Et si jamais, j'ai enlevé le rouge à lèvres pour pouvoir mieux tester les produits. Et on va ouvrir ça proprement, bien entendu, pour faire les photos après. Et voilà. Donc ce qui est drôle, c'est qu'on voit en fait tous les personnages avec le sachet d'emballage. Donc tu vois, là, Inosuke, là, ici. J'ai perdu à chaque fois le nom du frère de Nezuko. Et lui, il se cache derrière. Je trouve ça trop, trop, trop mignon. À l'arrière, on a un petit truc. Je pense que c'est un autocollant ou une petite carte, un truc comme ça. Comme on a aussi pour Tokyo Revengers. À chaque fois, j'ai du mal avec le nom de la série, tout simplement, parce que je ne l'ai pas encore vu. Voilà. Donc c'est exactement comme on voit ici, en fait ce sont comme des fils de ramen. Tu sais quand le ramen il n'est pas encore cuit, etc. Donc ouais, ça ressemble vraiment à ça. Voilà. En tout cas ça sent extrêmement bon. Ça me fait penser à... Au niveau des ramen, ça me fait penser... Enfin, au niveau de l'odeur, ça me fait penser à une marque en particulier de ramen. C'était un ramen avec un emballage blanc et bleu qu'on retrouve souvent à Carrefour, mais que j'achète plus du coup, parce que je sais aussi que la compo dans les ramen, c'est pas forcément ouf. Plutôt sympa. Vraiment sympa. Tiens, faudrait que je fasse tester à Figure House.
Comme d'habitude, je vais donner ma petite note sur 5 pour chaque produit. Et ici, j'aurais plutôt tendance à dire un 4 sur 5 parce que celui-ci, je dois t'avouer que je l'ai testé donc quand je suis allée à Pau, du coup en début octobre pour le TGS Pau. J'en ai pris qu'un seul parce que je m'en suis rendu compte après que je l'avais attesté. Et je sais qu'il est meilleur. Voilà, c'est juste pour comparer et tout ça. En plus, je ne me rappelle vraiment pas trop du goût et de ce que j'en ai pensé. Je sais juste que j'ai juste le rappel dans ma tête qu'il est meilleur. Je suis bête. On va peut-être finir avec l'autocollant ou le truc qu'on a à l'arrière. Donc on va juste découvrir ensemble. Je ne sais même pas de quel côté ça doit être illustré, de ton côté, pas du mien. Ouais, c'est ça. Ah ! Alors c'est trop drôle parce que du coup c'est le personnage, c'est le prof de... Ah, j'ai perdu le nom du frère, je suis désolée. Mais c'est surtout qu'il a lui aussi le truc de l'emballage. C'est trop drôle. Pourquoi tu veux pas faire le focus ? Je pense que vous le voyez, mais il a aussi l'emballage. Je trouve ça trop drôle qu'il se soit amusé à faire des trucs comme ça. Bref, on continue donc avec celui-ci. On a donc pareil un aspect de ramen, mais donc en petit tas. Comme des mini des mini trucs de ramen, comme si. Voilà. Effectivement, c'est bien meilleur. Alors, le goût n'est pas le même parce que là, j'ai l'impression qu'il y a... Je comprends pas en fait ce que c'est censé représenter, ce qu'il y a derrière en illustration. Mais c'est vachement bon. Franchement, très très bon. Là, je sens que j'ai mon pote Ray de Figure House qui sait lire le japonais, qui va lire et qui va être capable de nous dire et de m'engueuler en lui disant « Mais oui, mais c'est tel goût, c'est écrit, tout ça. » Je sais pas lire, moi. Mais c'est très très bon. Je vais en reprendre un quatrième, du coup, pour la route. Ça, je mets... Pour ça... Non. Pour ça, très clairement, par contre, je mets une note de 5 sur 5. Je vais vite fait repasser sur ce produit, tout simplement parce que je l'ai présenté lors d'une vidéo dégustation il n'y a pas très très longtemps, donc je vais juste te le montrer et te dire que je l'ai déjà testé et qu'on peut le retrouver justement sur le site de Figure House. Voilà. Ce sont des bonbons, alors c'est écrit Ramoné Candy, c'est juste parce que c'est censé avoir un effet ramoné, voilà, mais le parfum ce n'est pas ramoné du tout. Et au niveau de la texture, c'est un peu comme les Peps qu'on a en France, donc voilà, et ça ressemble à des petites dragées, je sais même pas comment définir ça. C'est pas grave. Voilà. Donc c'est plutôt sympa, mais si tu t'attends au goût ramoné, c'est sûr que tu te fais avoir. Mais le côté solide, en apparence mais très friable, c'est un bout. Par contre, est plutôt sympa. On passe maintenant aux bonbons et on terminera donc par la petite gaufre au Pokémon. D'ailleurs, j'ai oublié un produit. Il est là. J'ai oublié de le compter, mais il ne compte pas vraiment. C'est un grand emballage avec plein de petits cookies, je crois. Je crois que c'est en forme de cookies Pokémon. C'est un petit bonus en fait, c'est tout simplement parce qu'il y avait le panda que je l'ai acheté. Et voilà, je savais même pas si j'allais le manger, mais je me dis quand même que je vais le tester avec vous. Ça vient de Japan Market. Et je ne connais pas l'emballage tout court, donc voilà. Donc, pour ce qui est de Tokyo Revengers, ce sont apparemment, si j'ai bien compris, des bonbons. Et on a un petit goodies à l'arrière. Je crois que je vais finir par faire comme tout à l'heure, couper là. Est-ce que je me suis fait respecter? Absolument pas. J'ai aperçu. Donc ça ressemble vraiment à la forme là, comme on voit ici.
Tu vois, c'est pas un truc rectangulaire, c'est vraiment un truc un peu comme ça. Et je rappelle au cas où je n'ai pas vu Tokyo Revengers encore, donc je ne connais pas les personnages. D'accord. Ok. Oh, c'est un autocollant. Ouais, c'est un autocollant hyper épais. Donc ça, c'est cool, parce que c'est pas le petit autocollant, tu sais, qui coûte pas cher. C'est vraiment un autocollant solide. Et il est plutôt stylé. Par contre, je ne connais donc pas le personnage. Et ouais, les bonbons, ils sont orange en forme de moto et d'un logo. Et en forme d'espèce de trèfle en forme de cœur. C'est plutôt sympa. Ok, donc il y a deux types vraiment de bonbons au niveau couleur et au niveau forme. Je comprends pas pourquoi on nous montre deux apparences différentes. Trois apparences différentes. Bon. En tout cas, ça semble très très bon. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est des bonbons style gummies. Mais il y a une espèce de poudre dessus. Ah, c'est du sucre. Ok. Donc c'est la forme bizarroïde. Je ne sais pas si vous arriverez à bien voir ce que c'est. Donc au niveau du goût du bonbon orange, honnêtement, il n'est pas transcendant. Et juste, je veux juste parler la quantité de bonbons qu'on a dedans. Quand même, parce que je crois que j'ai payé ça quand même assez cher. Il y avait 3 oranges et 4 verts. On en parle ou pas? Et voilà quoi ressemble le vert. Il y avait vraiment, et je te mens pas, regarde. Alors, hop. Donc j'ai mangé un orange, regarde, il reste 2 oranges et 4 verts. C'est cher pour ce que c'est. Là, c'est très très cher pour ce que c'est. Franchement, pour avoir un pauvre petit autocollant. Alors, je suis désolée, mais les bonbons n'ont pas spécialement de goût. Je mettrais un 1. Là, je mettrais un 1 pour ça. Je suis désolée, mais c'est vraiment la pure arnaque. Là, c'est vraiment marqué pigeon sur la tête des gens, quoi. Très clairement. Alors après, peu importe qui je l'ai acheté, c'est pas ça le problème. C'est même pas eux le problème, parce qu'ils savent pas forcément, ils testent pas forcément tous les produits qu'ils proposent en boutique. Mais très clairement, là, c'est juste se foutre de la gueule des gens. Ensuite, on continue avec les bonbons Jujutsu Kaisen. Alors, ce qui me fait extrêmement peur, c'est censé être au raisin vert, mais le doigt est violet, comme la série, ça je sais, parce que j'ai regardé quand même un petit peu Jujutsu Kaisen. Mais leur truc en forme de doigt, ça ressemble pas vraiment à un doigt, ça ressemble plus à un petit saucisson. Très clairement. Alors on a la référence du doigt de la série, mais tu vois, il y a le petit bout là, ça fait un petit peu boudin, ce petit saucisson et tout ça. On a les deux personnages clés. Et voilà. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'en coupant là, ben, ça coupe le logo du doigt, mais bon. Allez, c'est parti. Alors il faut savoir que le raisin vert, c'est vraiment le parfum que je préfère pour les deux raisins. Mais le raisin violet dans les bonbons Jap, souvent ils sont assez bons. Et là pareil, c'est un petit peu, alors je sais pas du tout le prix que ça peut coûter, que ça se trouve, mais alors ils sont gros, ils sont aussi gros quasiment que l'image, voire plus gros, mais il y en a 4 ou 5, je sais pas. Attends, on va tout sortir. Il y en a 4. Ok, 1, 2, 3 et le quatrième. Ça ressemble vraiment à un petit saucisson. Voilà. On fait le focus sur moi. Par contre, ça sent extrêmement fort. Ça embaumait toute la pièce. Ok, fait le focus sur moi. Donc, en ce qui concerne l'odeur, ça sent extrêmement fort et ça prend toute la pièce. C'est très très visqueux, gluant, mou et tout ce que tu veux. J'ai peur en fait que ça fasse comme les perles, c'est dans les bubble tea, que ça explose à l'intérieur de la bouche. Et
Alors, honnêtement, je vois pas non plus l'intérêt. Ça ressemble pas spécialement à un doigt, donc je comprends pas. C'est une matière très 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 gluante et visqueuse, mais en fait, même les. Tu sais, tout ce qui va être les ours là, ou les crocodiles, tu sais, les trucs comme ça de Haribo, c'est gluant et comme ça, mais là, c'est pire en fait. C'est vachement plus. Bref, je vais même pas finir parce que j'aime pas spécialement. Niveau du goût du raisin, franchement, je l'ai pas trop trop retrouvé non plus. Donc là, j'aurais aussi tendance à vouloir mettre un 1 là-dessus parce que bah, ça ressemble en aucun cas à un doigt. Ils auraient pu faire l'effet, tu sais, de vraiment de la moulure du doigt, etc. Ce serait passé, tu vois, il y aurait eu l'effort. Là, ça ressemble même pas à ça. Alors, c'est sûr, c'est dessiné aussi sur l'illustration à côté. Sinon, c'est que t'es vraiment marqué pigeon, que t'as juste vu l'emballage. L'odeur est très présente, mais le goût n'y est absolument pas. Donc, c'est vraiment dommage. Et donc, voilà. Du coup, sur 4 produits, les deux premiers, les snacks salés étaient très très bons. Mais les snacks, là, les deux bonbons, c'est pas ma came. On va continuer avec Mario. On terminera avec Pokémon. Parce que, comme Pokémon, il y en a 3 et il y a donc. Bonbons puis de snacks, voilà donc comme ça doit être au Coca et au Ramonais logiquement vu les couleurs. Voilà. Là je sais même pas à quoi ça ressemble. Si, mais si ça ressemble. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à la tête de Mario, c'est dessiné sur l'emballage et puis. Oula. Ah bah là il y en a pour la quantité et pourtant l'emballage est tout petit. Là, ils étaient gros et machin, mais là il y en a vachement quoi. Ou ça là. À peu près la même taille, mais il y en a beaucoup plus, tu vois. Donc, alors c'est à peu près. Waouh! Il y en a tellement! Il y en a tellement! D'accord. C'est à peu près le même genre physiquement que ceux de tout à l'heure. Donc, les Tokyo Revengers. Ils sont plus solides, plus durs. Un peu comme par exemple. Alors, désolé pour l'exemple. Mais moi, je mangeais beaucoup en convention avant, parce que je bloquais au niveau des repas, j'arrivais pas trop à manger, donc je mangeais beaucoup des trucs comme des bonbons ou quoi. Et j'aimais bien, moi, les schtroumpfs, mais quand tu les laisses, tu sais, 2-3 jours à l'air libre, qui sèchent un peu. Et c'est à peu près la même chose. Alors, attends, 1, 2, 3. Attends, je te montre que je triche pas. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, il est tombé, et 17. On a un peu de tout au niveau des formes en fait. On a et la tête de Mario. On a donc la tête de Mario, je sais pas si tu. On verra bien, mais bon. Voilà, donc là il y a la tête de Mario. Il y a la petite étoile. Il y a aussi, donc comme je t'ai montré tout à l'heure, la pièce, j'essaie de retrouver mais je ne retrouve plus. Et les petits carrés, là, les petites boîtes jaunes, là, tu sais. Il y a même le point d'interrogation de fait. Donc je pars du principe que si on arrive à mouler là le point d'interrogation et même les détails, c'est des côtés de la boîte. Excusez-moi, mais on peut faire un moule d'un doigt, tu vois. Là, la pièce. Voilà. Donc, ok, on s'en dirait le coca. Après le fait qu'ils soient un petit peu secs, ça peut gêner certaines personnes. Moi personnellement, ça ne me dérange pas. Et donc, la petite boîte. Et on sent directement le goût du ramonais. Donc, ça, je valide. Ça, je mets un 5 sur 5. Après, si je devais être honnête, vu que là, le bonbon, je ne sais pas pourquoi, si c'est normal ou pas qu'il soit sec, je pense que ceux qui n'aiment pas que ça soit sec comme ça, comme moi, les schtroumpfs, je dirais plus 4,5 sur 5. Mais bon, oui, quand même, c'est une très très bonne note. On va attaquer donc avec les bonbons. Moi, je vois du coup le goût soda avec Tiplouf, Pikachu au citron, Evoli donc au goût coca et Ectoplasma, si je dis pas de bêtises. J'ai un doute sur le nom, mais je crois que c'est Ectoplasma au goût raisin. J'ai eu un doute sur le nom du Pokémon, tout va bien. M'énerve. Oh, ils sont minuscules, je m'attendais pas à ça. Ils font vraiment la taille en fait de l'emballage.
Donc oui, t'as l'impression d'en avoir beaucoup, mais après, est-ce que c'est vraiment... Tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc en fait, de ce que je vois, les têtes de Pokémon sont complètement aléatoires au niveau des couleurs et tout ça, parce que je vois du Coca avec Ectoplasma, je vois un bleu, donc un soda avec Pikachu. Je vois un Pikachu aussi en jaune, et là j'ai un violet et c'est Ectoplasma, mais voilà, donc... J'ai même un petit plouf jaune, donc voilà. Mais tu vois donc la taille du truc, c'est vraiment minuscule. Avec un, on arrive quand même à sentir le goût. Je vais prendre les deux autres bleus. On est sur quelque chose quand même qui vaut le coup, même s'ils sont tout petits. Ça, c'est vraiment le truc qui me dérange, je ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi. Peut-être parce que justement j'ai l'impression d'en voir beaucoup en quantité à l'intérieur. Sur le truc, il est quand même bien rempli. Il y a tout ça de rempli. Mais après, les bonbons sont minuscules et ça, c'est un petit peu dommage, tu vois. Après, ça reste un avis personnel, on est d'accord. Donc là, ce sont les trois au coca. Je suis un peu plus déçue sur celui au coca. On va tester les trois jaunes, donc au citron. Lui, il remonte la note, ok. Alors par contre, j'ai réussi à choper qu'un seul rouge. J'aimerais bien avoir d'autres rouges. Non, mais ne me sortez pas tous les coca ou tous les sodas. Voilà. Donc, j'ai un rouge Pikachu et j'ai deux Ectoplasma. J'espère que c'est bien le nom. Alors, je te montre bien que c'est le rouge. Ah ouais. Alors, je redis. Je n'aime pas spécialement le raisin rouge, mais en bonbons ça passe, surtout les bonbons Jap, et là je le trouve plutôt présent. Donc franchement, à part donc celui au coca où j'étais un petit peu déçue, si je dis pas de bêtises, c'était le coca. Oui. Je trouve quand même que le goût est assez présent, et donc il vaut quand même une note de 4,5, on va dire 4,5 sur 5. Je mettrais plus 4 parce que donc les bonbons c'est minuscule et je trouve ça dommage. Et que donc si je devais noter chaque parfum, le coca aurait 4, mais 4,5 sur l'ensemble, l'idée, etc. Et le fait qu'on ait quand même de la quantité. Voilà. On continue et on passe au petit gâteau. Donc on va d'abord commencer avec Pont d'Espiègle, si je dis pas de bêtises. Honnêtement, je le redis, j'ai craqué parce que c'était le panda. Et je vais l'ouvrir à l'envers pour pas abîmer le panda. J'ai d'ailleurs, je crois, une mini figurine de lui. C'est celle qu'on trouve là dans les trucs comme l'eau claire et tout ça, où c'est des petites boîtes. Ok, donc c'est bien juste un petit cookie. Je me demande si c'est pas les cookies d'ailleurs qu'on peut avoir dans les emballages que j'ai vu justement en boutique de Figure House. Alors, c'est un cookie au chocolat. Ça va déjà très très bien. Cookie un peu sablé, j'ai envie de dire. Ah, putain. Et à l'intérieur, je sais pas si tu pourras voir. Je sais pas si on voit très très bien. Au milieu, peut-être, on voit. Il y a une partie un peu plus fondante du chocolat, comme si, en fait, il n'avait pas fini de cuire. C'est trop bon. Donc si je devais donner une petite note à ce produit, je te dirais très clairement que je mettrais une note de 5 sur 5 ou 4,5 sur 5. Parce qu'il a quand même un goût de reviens-y. C'est le seul morceau qui reste, d'accord ? Bon, j'ai plus quoi faire le photo. Mais ça, on va dire que c'est pas très grave parce que je n'ai pas l'emballage final. Donc bon. Et donc on va terminer par la fameuse gaufre Pokémon. Alors ça, franchement, c'est le truc qui m'emballait le moins, mais bon, je me dis quand même. Il paraît qu'elles sont bonnes. Il y en a plein qui me disent qu'elles sont super bonnes et d'autres qui me disent qu'elles sont pas ouf. J'ai perdu mon ciseau. Non, c'est bon. Donc voilà, j'ai très très peur, surtout qu'en fait, j'avais testé là les gaufres comme ça en forme de poisson. Alors attention, pas celles qui sont faites par avec de la vraie pâte et tout ça, en mode gaufre comme ça, vite fait. J'avais pas du tout aimé, donc là j'ai un petit peu peur. Ok, elle est jolie.
Oh, elle est mignonne, ma petite gaufrette. Oh, il y a une illustration dedans. Oh, c'est trop bien. Ah oui, 24 illustrations différentes. Donc voilà. Petite gaufrette. Mais c'est trop bon. Ah mais c'est trop bon en fait. 5 sur 5. Et juste pour... Parce que... Merde. C'est un de mes Pokémon préférés. C'est un de mes Pokémon préférés. Je suis trop refait là. Donc avant que la caméra me dise merde, j'étais en train de te dire que c'était un de mes Pokémon préférés. Oh, il est trop beau. En plus, il brille et tout. Oui, je suis un gosse là-dessus. Il est trop beau. Ah, j'ai trop de la chance. Donc au cas où, je sais plus si j'ai dit mes 5 sur 5 pour la gaufre. Donc cette vidéo dégustation est à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente ou on partage. N'hésite pas à me dire si tu trouves que, comme moi, tu penses que les dégustations solo, c'est un peu ennuyeux et c'est mieux à deux. Ou si tu préfères, enfin voilà, si tu en solo, ça te va encore. Ou si tu préfères vraiment que j'essaie à chaque fois de faire en duo. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. N'oublie pas du coup d'aller voir la précédente vidéo dégustation, la playlist, ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait, mes réseaux sociaux, mon compte Vinted dans la barre d'infos. Tu auras donc le récapitulatif de où j'ai acheté quoi pour ceux qui sont de Bordeaux. Et je te mettrai sinon les liens de sites ou autres qui permet aussi de les commander. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure et bye bye.